Et bonjour à tous et bienvenue. Je ne sais plus à quel épisode on est, je n'ai pas regardé. Et donc, nous allons faire cet épisode de la Saint-Valentin. Je sais, on est milieu avril, au moment où ça va être diffusé. Mais au moment où je tourne, on est le jour de la Saint-Valentin, on est le 14 février. Donc voilà, hein, toujours une grosse différence entre les épisodes et les sorties. Je suis désolé, je rattrape le retard, hein, évidemment, ça se rattrape. Mais voilà. Et il y aura la Desert Society à faire aussi, je la ferai, donc elle sera publiée la semaine prochaine. On y va, donc la marche de la Saint-Valentin. Donc apparemment, on va voir aussi le couple Itsugaya Momo. Donc, on va voir ça. Et Rangiku, certainement, qui va encore aller grailler des chocolats par-ci, par-là. On la connaît. S'il te plaît, voilà. Excusez-moi, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué sur PC, parce que je joue surtout sur téléphone, toujours. Alors, quel chocolat vais-je offrir cette année? Bien sûr, ça dépend aussi de la quantité à distribuer. Ah oui, c'est vrai qu'au Japon, ça se passe comme ça. La Saint-Valentin, c'est les femmes qui offrent des chocolats aux hommes, et pour le White Day, c'est l'inverse, c'est ça. Donc il y aura aussi le White Day, hein, qu'on fera. Ce sera certainement pas, ce sera pas l'épisode suivant, mais ce sera certainement l'épisode d'après. Quand il sortira, on le fera. Alors moi j'en donne à Kenny et puis boule de billard, Youpiné. Après j'en remettrai à Maître Mayori et à Madame la Présidente en gage de gratitude. Ouais. Toute rassemblée ainsi, de quoi discutez-vous? Eh ben c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, nous pensons préparer des chocolats pour ceux qui nous. Pour ceux à qui nous voulons témoigner toute notre reconnaissance. Ah, nous voilà déjà à cette époque de l'année. Mais oui, il faut rester à la page. Si on donne des chocolats à la Saint-Valentin, on reçoit un cadeau trois fois plus beau pour le White Day. Ce serait bête de se priver. Veux-tu te joindre à nous, Rukia? Je ne souhaite pas particulièrement recevoir un cadeau en retour, et puis c'est un peu tard pour commencer à préparer du chocolat maison. Pas de problème, c'est facile, et puis ce n'est pas la première fois que tu prépares quelque chose à manger pour l'offrir à quelqu'un, si. Ça m'est arrivé, mais je me souviens il y a longtemps. Donc évidemment, hein, c'était l'association des femmes Shinigami, c'est pour ça qu'il n'y avait que des femmes actuellement dans l'histoire pour le moment. Et pour le moment, il n'y a rien de bizarre qui semble venir à... Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, plusieurs dizaines d'années plus tôt... Ah d'accord, donc Cayenne. Cayenne, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'a dit que tu aimais les oahgi, alors j'en ai préparé moi-même. Quelque chose ne va pas. Ah bon, c'était des oahgi. Non, non, tout va bien, bien sûr. Maintenant que tu le dis, ce sont des oahgi, évidemment. Il n'y a pas de quoi rire à ce point. Désolé, désolé, c'est juste que... Voilà, ça s'est passé comme ça, et donc cette fois, je vais m'abstenir. Allez, excusez-moi. Si on les prépare ensemble, tout se passera bien. Je devais tousser. Vraiment.
Mais oui, et puis tout dépend du type de chocolat. Voyons ce que les autres ont préparé et réfléchissons. Ouais, des chocolats, j'ai hâte. Bien sûr, Yachiru est plutôt du genre à manger qu'à préparer. Ça, évidemment. On commence à les connaître, hein, les personnages, hein, au niveau de ceux qui sont gourmands, ceux qui sont plutôt timides, donc pour faire un cadeau, c'est un petit peu délicat. On connaît un Momo, elle est plutôt du genre timide par exemple, alors que Yachiru et Rengiku, elles sont plutôt à piquer dans le plat de chocolat, quoi. Enfin, voilà quoi. Moi, je vais faire une fondue au chocolat. J'ai jamais fait ça. Je crois que je l'ai déjà dit en plus l'année dernière parce que l'idée avait déjà été faite. J'ai jamais fait de fondue au chocolat. Faudrait voir comment on peut faire. Je sais que la plupart des fondues, il faut un appareil spécial, mais je me demande s'il n'y a pas moyen de faire une fondue au chocolat. On va voir. Oui, on peut mettre autant de chocolat qu'on veut, c'est parfait pour toi, Yachiru. Fondue au chocolat, de quoi s'agit-il? On trempe divers ingrédients dans du chocolat fondu et on les mange. Il suffirait que tu le vois, tu comprendrais tout de suite. Allons-y, d'accord. En avant, on commence par les Konpetos. Alors, encore une fois, hein, je connais très très peu la nourriture japonaise, donc je sais pas ce que c'est que les Konpetos. Ne mettez pas les Konpetos directement dans le chocolat. Voyons comment va-t-on les manger après. On ira les pêcher avec une louche. Pourquoi? Allez-y plus calmement, ou vous allez en mettre partout, et ne vous essuyez pas sur mes habits, bon sang. Bon, évidemment, voilà, il y a le Chirou qui en fait toujours voir à Madarame. Elle est drôlement impressionnante, cette marmite, tout ira bien. Mais oui, bon, je vais grignoter un peu, moi aussi. Vas-y, Rukia, sers-toi. D'accord. Oups, pardon. Dis donc, j'ai du chocolat dans mes cheveux maintenant. Oui, c'est juste du chocolat, ça partira avec un peu d'eau. Vous verrez bien. Vous devez bien avoir un puits d'or, non? Ce n'est pas le problème, toi qui te ferais porter pâle. Qui te ferais porter pâle si tu avais un cheveu abîmé, je te prie de faire preuve d'un peu moins de désinvolture. Oh, c'est bon, arrête un peu et va te laver. Ah, ça suffit, ma petite démone. Yumichika, aide-moi, bon sang. Je vais me laver les cheveux. De quoi? Non, mais attends un peu. J'ai encore envie de manger. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on a le droit de manger autant de chocolat qu'on veut. On est d'accord? Alors, vous passez votre temps à bafrer. Bon, nous, on va y aller. Merci pour tout et au revoir. Non, mais stop, rangez avant de partir.
Évidemment, il y a Chirou qui a foutu un sacré bazar, quoi. Alors, quel genre de chocolat as-tu préparé, Momo? En fait, j'ai préparé des cookies et je les ai décorés avec du chocolat. Ne me dis pas que, bon, non, rien. Je me suis dit que ce serait plus amusant de préparer quelque chose que j'aime. Et puis, c'est plus facile à faire à la forme que je voulais avec les cookies. Alors, généralement, quand... Enfin, dans le jeu, il y a plusieurs versions de Momo. Et la plupart du temps, quand elle fait des gâteaux, quand elle fait quelque chose, ça a la forme des lunettes du Capitaine Eisen. Quelque chose que tu aimes. Eh, mais ces cookies que tu as là, tu vas les offrir à mon capitaine, c'est ça? Oui, c'était mon intention. Ah, donc elles ont peut-être pas les formes des lunettes de Eisen. C'est bien, allons-y ensemble alors. Elle a peut-être changé la forme alors. C'est. Elle les a peut-être fait en forme de dragon pour ressembler à Yorin Maru. Ou peut-être de la même forme que les fleurs de glace de. Que produit Yorin Maru, mais. Tiens, Shiro. Ah, oh, pareil, encore un sprite où le personnage il a la main sur l'épée, quoi. Enfin. Et pourtant, vous avez des sprites plus calmes de Toshiro. Pourquoi vous avez mis celui-là, Calab? Merci. Ah, vous êtes mignon quand vous êtes gêné comme ça, capitaine. Évidemment. Toujours les pieds dans le plat, Rengiku. Je ne suis pas gêné, d'accord. Et ça, c'est de ma part pour le White Day, un cadeau d'une valeur 10 fois supérieure suffira. Merci d'avance, Rengiku. Tu me fais, tu me. Ah, il y a une erreur d'introduction là. Tu me fais un cadeau. Laisse tomber le chocolat. Tu veux. Ah non, pardon. Tu veux me faire un cadeau. Laisse tomber le chocolat et donne-moi les documents que tu es censé remplir. Voilà, ça s'est envoyé. Mais on ne saura pas à quoi ressemblent les cookies de Momo dans ce cas. C'est un petit peu dommage. Alors tu es décidé. Tu sais quel chocolat offrir et à qui. Je sais à qui donner, mais je ne sais pas encore quoi. Je crois que je suis tout près d'avoir une idée, mais dans ce cas, ça ne te dérange pas qu'on retourne chercher des chocolats. J'ai déjà distribué tous ceux que j'avais pris. Alors, juste pour revenir avec l'altercation entre, donc, enfin, le passage entre Momo et... Altercation, pourquoi je dis altercation? Non, entre le passage entre Momo et Toshiro, je trouve que c'est un petit peu dommage que ce soit pas plus détaillé, parce que c'est un couple de Bleach quand même assez emblématique. C'est un peu dommage qu'ils aient passé un peu rapidement dessus. Bah voilà, j'aurais apprécié quand même qu'il y ait plus, un petit peu plus de temps accordé à ce couple-là. Mais bon. Très bien. Bon, pour le moment, on n'a toujours pas vu Kyoraku. Et Nanao. Ah bah tiens. Ma petite Nanao, bon, évidemment, il est encore peinté, hein, Kyoraku. Nanao, ma petite Nanao, où es-tu? Eh bien, que se passe-t-il? Dites, vous n'auriez pas vu ma petite Nanao. Non, désolé.
C'est bizarre, je suis sûr qu'elle était par ici. Si vous l'apercevez, prévenez-moi, d'accord. Bien compris. Ah. Il a encore abusé sur le saké, évidemment. Et donc voilà Nanao. Ah, j'étais trouvé Nanao, ton capitaine te cherche, tu sais. Ah, mais je vois que tu lui as préparé des chocolats, va vite les lui donner au lieu de te cacher. Mais il écrit là que c'est très bien comme ça, ma reconnaissance est déjà incluse dans les chocolats. Mais s'il s'emballe, je n'en verrai jamais la fin. Alors, j'ai bien écrit que ce sont des chocolats d'obligation dessus, c'est tout. Bon, mais si tu as fait tout ça, il faut bien que tu les lui donnes, ces chocolats. Je te prie de te taire, Rangiku. Toujours ambiguë la relation entre Kyoraku et Nanao. Mais écoute, Nanao, si tu ne lui donnes pas les chocolats, il n'arrêtera pas de te chercher, tu comprends? Cessez de vous occuper de moi, vous n'avez pas quelqu'un à qui donner les chocolats, vous. Mais j'en ai déjà distribué des tas, moi. Me revoilà. J'ai une faveur à vous demander, pourriez-vous m'aider? Tu t'es enfin décidé. Bien sûr, tu peux compter sur nous. Ouais. Alors j'aurais dû prévoir le coup et mettre des personnages de Saint-Valentin dans mon équipe, mais bon, je continue à mettre des personnages que j'upgrade, évidemment. J'ai beaucoup de personnages à passer niveau 200. Par contre, ouais, on va peut-être changer un petit peu. Je vais peut-être la prochaine quête, là, on va la faire avec Lisa. Et voilà, qu'en pensez-vous? C'est très bien. Tu as fait de ton mieux, c'est ce qui compte. Tu as mis tout ton cœur, je suis sûr que le cadeau sera apprécié. Oh, un chocolat géant. Oh non, non, non. Éloignez, éloignez-la de ça. Madame la Prévisante, vos chocolats vous attendent dans l'autre pièce. C'est vrai, ou ça, ou ça. Bon, allez, vas-y maintenant. Entendu. Hop. On va mettre Lisa. C'est drôle, j'ai l'impression que lorsqu'elle se passe des attaques, attendez. Ouais, c'est ça, elle passe de son impact normal à son Shikai pendant les attaques. Et sympa ce perso, enfin je. C'est une nouvelle carte ça, hein. Je crois que c'est une nouvelle carte. La Lisa que j'ai, c'était une Lisa que j'avais pas avant.
J'avais jamais joué avec et c'est assez sympa qu'elle passe de son impact normal à son Shikai en lors des attaques en fait. Qu'elle soit pas en Shikai permanent comme les autres sprites que j'ai, enfin comme les autres cartes que j'ai. Grand frère, excuse-moi de te déranger, je tiens à t'offrir ceci. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait Byakuya aussi. J'ai pensé qu'elle offrirait quelque chose à Ichigo et en fait non, elle va offrir à Byakuya. Aïe 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 aïe. D'accord. Ok, c'est. Comme c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, je me suis permis de confectionner ce chocolat afin de te l'offrir. Excusez-moi, capitaine, Rukia, qu'est-ce que tu fais là? Renji, tu tombes bien, tiens, voilà pour toi. C'est quoi ce truc tout fondu et dégoûtant? Putain, le tact. Le tact. Que c'est du chocolat, espèce de goujat. Du chocolat, ça se mange vraiment cette chose? Ça suffit, je n'ai pas de chocolat à offrir à un rustre comme toi. Ah ouais, il aurait pas dû, il aurait dû dire merci Rukia quoi. Ça va, désolé. Eh mais c'est drôlement bon ça. Qui t'a permis de te servir? Ah là voilà. On dirait que tout s'est bien passé, tu as pu remettre tes chocolats. Puis merci à toutes de m'avoir aidé. Et moi j'en ai distribué aux membres de l'association des hommes Shinigami. Très bien, je crois que j'en ai donné à presque tous les garçons. Oh vraiment, le mois prochain, vivement le mois prochain. Rengiku, tu n'as vraiment qu'une idée en tête. Pendant ce temps, dans le quartier de la première division. Tu es bien chargé, Shojiro, d'où viennent tous ces paquets? C'est à cause d'une fête du monde des humains appelée Saint-Valentin que beaucoup fêtent maintenant ici aussi. Les femmes Shinigami distribuent des chocolats à tout le monde et même moi me voilà croulant sous les confiseries. Ah vraiment? Je suis sûr que vos chocolats ne vont pas tarder à arriver, commandant en chef. Ils en ont pas offert au commandant en chef? Ok, j'ai un Renji. Ok. 22 minutes. Bah écoutez, est-ce qu'on n'enchaînerait pas? Parce que 22 minutes, c'est bon, quoi. C'est pas trop long. On va peut-être enchaîner. On va peut-être enchaîner. Je vais peut-être faire deux histoires dans ce même épisode. Parce qu'en plus, voilà, c'est pas. Et je vous propose qu'on fasse la Desert Society. On va enchaîner. On va bien voir. On va bien voir. Non, on va pas faire ça. On va faire ça pour, comme c'est prévu à l'épisode prochain. Aujourd'hui, ce qu'on va faire. J'ai beaucoup de loteries à faire. Des cas, enfin des tickets, notamment 5 étoiles, ce genre de choses. Donc, on va faire ça. J'ai beaucoup de, voilà, des tickets d'événements. J'ai un ticket d'anniversaire, je crois. Voilà, j'ai même le ticket du Nouvel An, je l'ai toujours pas fait alors qu'on est en février. Et voilà, donc j'ai un truc d'anniversaire, j'ai quelques tickets, voilà, quelques braves tickets à faire, et voilà. Donc on va faire ça. On va faire ça, donc on va commencer par les 5 étoiles. Là, on est sûr d'avoir les 5 étoiles, donc ça c'est plutôt cool. La question c'est, est-ce que ça va être des nouveaux? Oh! C'est. D'accord, c'est. Ah, c'est Ginjo, d'accord, ok. Ginjo, mais je savais déjà. Donc c'est. Non. Ah, Ichigo. Ouais, alors cette version, je l'ai eu il n'y a pas longtemps.
Yorichi. Décidément, par contre, c'est que les 5 étoiles que j'avais déjà. Nagai. Bah, pas de chance pour le moment, hein. Que des 5 étoiles que j'ai déjà. Ah, c'est la version Kunsi de Ichigo, ça. Je l'ai déjà. Kenpachi. Ouais, c'est le Kenpachi Force. C'est le même que celui que j'ai déjà dans mes, dans mon équipe leader de PVP. Bon, il reste deux tickets de 5 étoiles et pour le moment, j'ai vraiment pas eu de pot, hein. Ah, Guinrei. Guinrei. Hey, je n'avais pas Guinrei. Donc le père ou le grand-père, je sais plus de. Non, c'est ça. C'était le grand-père de Byakuya. Donc si, j'ai quand même un nouveau 5 étoiles. Plutôt bonne nouvelle. Et le ticket spécial anniversaire. Mayuri. Une version que j'avais déjà. Ok, on va faire les tickets de Brave Souls. Parfois, on peut avoir la chance de tomber sur un 5 étoiles. Comme ça. Ishin. Bon, que Ishin. On va lancer les 10 prochains. Ishin que j'avais déjà. Là, j'ai pas de 5 étoiles. Bon, voilà, bah c'est pire que tout. Bon, ça c'est Urahara. Mais la version 4 étoiles, toujours pas de 5 étoiles. Décidément. Tiens,
Eh ben, il tombe beaucoup, Ourara, dans les 4 étoiles. Ouais. C'est pas vrai. Ça veut pas, ça veut pas. Ah, quand même. Ah, ça c'est iPhone. Mais je l'avais déjà. La Soifon en Bankai, je l'avais déjà. Allez, il me reste encore une centaine de personnages. Il doit bien y avoir un 5 étoiles qui va tomber là-dedans. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Ah, quand même. Ah, Yachirou. Mais cette version-là, je l'ai déjà. Décidément, hein. Baragan. Je pense que c'est une version que j'ai déjà. Oui, bien sûr. Mais je crois que j'ai toutes les versions de Baragan aussi. Il y en a... Je crois qu'il y en a que deux. Bon, on arrive sur le dernier tirage. Oh! Oh, Ashido! Eh ben, je crois que je l'avais pas. Eh oui, un nouveau 5 étoiles, Ashido. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un personnage qui est assez anecdotique dans Bleach, mais qui a son importance. Ouais, ça c'est Okitake. Je l'avais déjà. Allez, dernier tirage. Et on n'aura pas vu comment Tsukishima pour les rattrapages de tirage.
Mais ça, bon, ça, c'est pas très grave. Ok, on va aller, hop, dans les loteries de Cannes. Parce que voilà, je suis presque en masse. D'ailleurs, est-ce que... Attendez, on va prendre les quelques points qui manquent, je pense, qui sont là. Ok. Et on va compter les comment les volontés du Yoku qui tombent, évidemment, comme d'habitude. Parce que là, avec les 5 étoiles que j'ai récupérées, il va m'en falloir des volontés du Yoku. J'en ai une. Deux. Deux, trois et quatre, ça fait quatre. Cinq. Ça fait deux personnages qui peuvent être libérés. Ça fait 7. Huit. Allez, un neuvième, ce serait bien là.
à un neuvième. Ce qui fait trois personnages que je pourrais libérer. Un dixième. Enfin, une dixième volonté de Gugu. 11. Allez. Un douzième pour le dernier tirage, ce serait génial. Ça ferait 4 persos. Et oui, 12. 12, ça me fait donc 4 personnages libérés, enfin que je peux éveiller. Je dis libérer, mais c'est éveillé, je crois. Eh ben écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Bien, bah écoutez. Ouais, 41 minutes. Voilà, écoutez, bah c'était cet épisode de Saint-Valentin. J'ai beaucoup de persos. Hop, va falloir que je fasse un petit peu de feed. Et puis surtout, ça me fait quelques. Enfin, ça me fait au moins deux personnages que je peux éveiller. Enfin, que je peux up. Oula, ça galère. Ok. Je vais juste lui donner un petit peu d'XP juste. Alors oui, mais j'aime l'expérience est un petit peu diminuée comme vous avez pu constater. Disons que j'ai décidé de d'accélérer un petit peu le mouvement au niveau de. Au niveau des mises à jour du personnage. Voilà, 50 en plus. Ouais, et puis bien sûr, il me va me manquer les cristaux rouges. Sinon, c'est pas drôle. Ok, il va falloir que je forme ça, certainement ce soir. Ah, il est là. J'ai eu peur. Je le voyais plus. Et donc, Guinrey. Et bon, je suis retombé en dessous de ma limite de personnage. Ah d'accord, j'ai même pas assez pour pouvoir libérer son arbre. Ah ouais, je suis tellement à la dèche que même le premier nœud, je peux pas le libérer. Ah oui, j'ai vraiment plus aucun cristaux de force, quoi. Bon, faut vraiment que j'aille enfermer ça.
Bah, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il ait un petit peu de niveau, comme ça, il risque pas de tomber. Donc, on avait un personnage 4 étoiles aussi à aller chercher. Je vais le faire rapidement. Je prends les 50 orbes qu'il y a là. Donc, il y avait le Renji là de la Saint-Valentin, qui a l'air d'être un nouveau Renji. Parce que je me souviens pas avoir vu un Renji comme ça. Alors. Eh non, il était déjà complété. Bon allez, puis ben le reste on va le faire dans l'ordre. Ok, ben voilà. Bon, il me reste une centaine d'emplacements de perso, donc je vais arrêter là et puis on va. Ah, d'accord, ça commence par une vitesse, lui, donc. Bon, lui il pourrait presque être éveillé, il manque encore des cristaux rouges évidemment. Je sens que ce soir ça va être farm de cristaux rouges, résultat. Bon, je vais juste terminer de vider, hein, évidemment. Hop, 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 siphon. La suivante. Mais elle, je suis sûr que ça commence par un rouge. Ah non. Ben voilà. Allez, Yachiru. C'est vraiment histoire que je vide un petit peu mes cartes, hein, parce que. Bon, ok, ça commence par rouge, donc c'est mort. On va juste la monter niveau 80. Donc, Okitake.
Non, ok, ça commence par du rouge, donc c'est mort. Oui, mais je vais quand même lui mettre un peu quelques niveaux. Alors pourquoi je mets quelques niveaux? C'est parce que pour ma sélection multiple, si jamais je sélectionne les 5 étoiles, au moins je vais pas griller les nouveaux 5 étoiles quoi, en fait. Parce que dans ma sélection multiple, je sélectionne que les niveaux 1. Donc s'ils ont un petit peu de niveau, en fait, et ben ils peuvent pas être sélectionnés dans ma sélection multiple par erreur. Toc toc toc, je monte ça rapidement, mais hop, Paragan. Là, dans ma sélection multiple, je sélectionne les niveaux 1 uniquement. Et avec badge uniquement aussi. Comme ça, vraiment, les vraiment nouveaux n'ont rien à craindre. Par contre, pour le type, je sélectionne pas uniquement avènement. Parce que, évidemment, avec les 3 étoiles et tout ça, ça sert à rien de sélectionner uniquement les avènements. Le résultat, il a effacé quand même. C'est pour ça que je mets toujours un petit peu de niveau quand même, histoire que le personnage soit pas pris dans une sélection multiple, et puis que j'ai sacrifié des persos à rien, et puis des cristaux, tout ça. Ouais, puis j'ai manqué de cristaux d'expérience de toute façon, arrivé un moment aussi, parce que... Mine de rien, ça diminue vite. Bon, on arrive sur la fin là, de toute façon. Voilà, après j'ai plus à avoir de quoi feed. Donc voilà. Puis j'ai vidé mes cartes événements récemment. Hop, on va plutôt commencer par un niveau d'abord. Bon, ben, j'aurais du farm à faire, hein. Voilà. Mais écoutez, sur ce, ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, on aura fait quelques tirages aussi. J'ai cliqué par erreur. Et donc on voilà. Et donc on se retrouve à l'épisode suivant. On fera la Desert Society et la semaine d'après certainement que le Le bah pour moi le White Day sera sorti et on fera le White Day. Donc sur ce. À tout de suite pour moi, à la semaine prochaine pour vous.